j'étais. Vous avez dû... Hein? Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang? Je vais me débrouiller. Le médecin a dit que ce serait lié à un bouleversement émotionnel. Mais là, il faut qu'il m'explique. Je vais refuser tous les contrats et faire oublier. Bonjour, on est les nouveaux voisins. C'est du Crémant. Ok. C'est du Crémant d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de Crémant, il dit pas merci, il dit ok. C'est quoi votre travail? J'ai pas de travail. Oh là. Les anciens patrons veulent me tuer. Et je peux pas partir maintenant que je suis complice? Pas maintenant. Moi, je veux de l'aventure. Et je sais pas, t'as jamais eu envie de tuer personne, toi? Non, j'ai jamais eu envie de tuer personne, non. On est en danger. C'est un tueur sanguinaire, ce mec. Putain, elle a fermé la porte, cet imbécile. Ça m'a rappelé le Vietnam, ouais, surtout le Vietnam. T'as fait la guerre du Vietnam? En fait, je suis arrivé vraiment à la fin de la guerre, à l'extrême fin. À la limite, j'aurais même pas dû y aller. Ils étaient déjà en train de remballer quand je suis arrivé. Donc, tu sais qu'il a fait la guerre du Vietnam? Peut-être qu'il a inventé le piano aussi. Mais non. Karim. J'ai pris les devants. Je vais éliminer les commanditaires un par un. Leur nom et leur adresse. Arrête de me tapoter, putain! Ouais, mais si tu le retapes à chaque fois, bah, ça sert à rien que je tapote. C'est un boulot, faut le faire, c'est tout. Mais non, mais je suis pas un tueur, moi. Mais attends, qu'est-ce que tu fais, hein? Je suis un putain de petit fan gentil. C'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui rentre avec un morceau d'oreille humaine dans la poche. Ouais, ça va. L'oreille humaine, ça arrive une fois.